l'enfant va grandir. Or, il faut dormir la nuit pour grandir. Toi, tu ne dors pas la journée, tu ne dors pas la nuit. Or, il faut dormir pour que tes os là, hein, se montent un peu. Or, c'est là que tu t'envoles. Comment tu as grandi? Quel temps les os ont pour grandir? Les os, non, ils ont des problèmes pour pousser. Parce que au moment où les os poussent, toi, tu as un travail. Les os disent, mais je ne pousse plus. Yeah, c'est là comme ça. Ami, tu es sorcier. Oui. Qui t'a donné? C'est Martin. Hmm? Martin. Comment tu fais sorcier? Elle est rentrée dans son frère qui allait violer une fille. Ah. Elle a fait prison pour ça. Tu vois ça? C'est ça. Comment tu as fait? Hein? Et puis j'ai envoyé la fille, me dit ton frère arrive, et puis je suis ton frère dans mon frère, et puis j'ai envoyé la fille. Faut bien expliquer. Et puis parti chercher la fille, puis il a envoyé la maison. Elle était qui pour toi? Un arrière-fille. Maintenant elle a envoyé la maison. Elle a quel âge? Elle a la 9 ans. C'est 12 ans, 9 ans. C'est 12 ans? La fille qu'ils ont violée là? Elle a 12 ans. Et lui, tu l'as violée à quel âge? Hein? Non, tu as dit 19 ans, il l'a violée. C'est ça? Hein? Madame, mon cerveau là. Là, tu connais mon cerveau. Mon cerveau, tu connais ça? Ça enregistre vite et vite. Ma mémoire. Giga que la mémoire là. Ça n'a pas de limite. C'est ça qui est vrai, c'est ce qui veut dire fatigué les sorciers. Et ils pensent que c'est fini, on m'a menti la prochaine fois. Et puis les détails qu'ils m'ont dit, ils sont pas dit. Tu as dit ça dans ta preuve ici? Ah, tu dis c'est vrai. La petite même dit, tu as dit non, que le monsieur a dit non, tu caches ça pourquoi? Tu ne t'es pas trompé, hein? Et la petite l'a dit, elle avait 15, tu as dit non, tu as 19 ans. Ça s'est dit correctement les choses. Elle a 19 ans. Donc c'est toi qui as fait. Comment tu t'es arrangé? Elle me dit qu'on peut arrêter. Il est chanté dans mon frère qui l'a violé. Il a violé. Un homme de 19 ans qui vient depuis 12 ans. Amen. Amen. Vous pouvez être là comme ça, puis les sorciers peuvent vous imposer une vie. Vous ne comprenez pas. La fille du coup, elle est venue prostituée. Elle ne comprend pas, sa vie a chamboulé. Du coup, tu te retournes, tu as des maladies bizarres. Tu dépenses, pas de guérison. Du coup, ton argent s'en va. Et peut changer ta vie à une fraction de seconde. C'est pour ça que ce fléau, c'est un fléau, c'est un mal que nous devons tous combattre. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Demain, nous aurons l'occasion de vous enseigner les autres signes, les formes de sorcellerie. Amen. Amen. Les autres formes de sorcellerie. Amen. Amen. Le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Tu vas prier et confier ta vie au Seigneur. Et demander au Seigneur de tendre ta main et de te délivrer de la main des sorciers. Prions ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus, est-ce que Dieu tout le monde a dit nous te rendons toute la gloire, merci pour la manifestation de ton règne et merci d'agir pleinement dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer tout à l'heure aux offrandes. Quelles sont ceux qui ont les bouteilles d'huile?
Tout à l'heure, on aura l'occasion de faire des bains d'huile tout à l'heure. Et en même temps, je vais profiter de recevoir des gens. Si je suis fatigué, je m'arrête. Puis je poursuis ça demain. Amen. Amen. Et bien, soyez bénis. Demain, il y a une grande veillée. Demain, c'est à Zaroko. Le convoi, c'est ici. C'est à partir d'ici, le convoi. Et nous serons à Zaroko. Le commence à 15h. 15h. 15h, la veille commence là-bas à partir de 20h, 22h, jusqu'au petit matin. Amen. Voilà, soyez bénis.